Salut à tous. Today, encore du gros travail de préparation en perspective. Du coffrage, du ferraillage et beaucoup de réflexion. Bon, on va continuer notre petite affaire là avec le coffrage de la grande poutre qui va venir se placer juste ici. Et on va pouvoir remonter notre pignon pour arriver jusqu'au toit. Donc pour ça, quelques planches de coffrage, des étais, et puis on va être parti tranquillou. L'objectif c'est de faire ça, et puis de pouvoir couler dans la foulée. Un peu de jeu, il faut un 59. Un 39, c'est pas beau. Toujours full plaisir quand ça peut à l'intérieur comme ça. Donc là on va tracer la continuité du mur pour être bien dans le prolongement de celui-ci pour notre grande poutre. Donc un petit trait, puis comme ça on place notre planche. Voilà, on a fixé un peu notre planche verticale là pour notre grande poutre. On s'est assuré de bien fixer par l'extérieur pour pouvoir dévisser quand ce sera coulé. Parce que si on visse par l'intérieur, on peut plus récupérer les vis, puis on est obligé de casser notre coffrage. Donc là, on va essayer de gérer l'écartement pour pas que ça bouge en fixant sur les bastins, les chevrons, et puis en s'aidant aussi encore de notre poutre ici. Puis après, on va ferrailler tout ça pour que ce soit bien solide et que ça tienne le coup pour le pignon qui va monter en haut. Et puis après, ça donnera d'autres tâches.
Bon, maintenant deux solutions pour couler. Soit on coule la poutre indépendamment de la dalle et on va mettre une planche là pour d'abord couler la poutre puis ensuite la dalle. Soit on coule les deux en même temps. Il va falloir mettre un chevron au même niveau pour faire la jonction entre les deux. Donc au même niveau que le dessus de la poutre. Et le bas du chevron doit être au même niveau que le dessus de la dalle. Donc pour faire un petit peu la marche qu'il y aura. Parce que forcément, sur une portée comme ça, la poutre, il faut qu'elle soit quand même assez haute pour qu'elle puisse supporter le poids qui va arriver du dessus. Sachant qu'elle va supporter tout le poids que supporte cette grosse ferme actuellement. On va passer au pliage de nos petits chapeaux. Donc pour ça, on innove toujours. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser nos petits étais. Et vu que c'est du tord de 10, ça passe comme une lettre à la poste. Et là, pour les plier, c'est vraiment impeccable. Bon, il faut quand même un peu de force, mais ça va assez bien quand même. Encore quelques petits trucs pour préparer la dalle, notamment boucher les petits trous sur les côtés. Par exemple, ceci. Pour les dernières dalles, on nous avait conseillé un petit peu de mousse expansive pour boucher ces trous. Bah, c'était une super idée, sauf que le problème, c'est qu'on est obligé d'ouvrir un tube. Et là, vu qu'on a que 2-3 trous à boucher, bah, on va continuer sur notre méthode. C'est-à-dire des bouts de papier, des anciens secs de ciment, ça va plutôt pas mal également, mais c'était une bonne idée quand même. Et puis on va également partir à la quête de petits bouts de plots de à peu près cette épaisseur là pour caler un petit peu notre chaînage dans notre coffrage. Donc pour l'enrobage en fait du chaînage. Que ce soit bien enrobé et puis que la solidité soit là. Allez go! Quelques munitions pour cet après-midi, parce que là il est actuellement à peu près midi et on projette quand même de couler la dalle cet après-midi. Alors qu'il nous reste tout de même cette poutre et la mettre et la livraison doit arriver à 14h, les ourdis qui vont avec, mettre en place le chaînage au-dessus définitivement, les quelques chapeaux et puis étayer encore notre petite poutre de béton qui est juste là. Donc là on est vraiment motivé, là on est ambitieux, on n'est pas à l'abri de finir à 9h ce soir, ça va se jouer ici, au mental, hashtag Benoît Père quoi. Allez, un petit peu de préparation, surtout de matériel et puis d'engin type bidon pour l'eau et puis bétonnière pour qu'on puisse couler directement après la livraison faite. Je vais vous montrer un petit peu l'installation qu'on a fait du tonnerre. Petite installation, bidon, béton, brouette. Amener ça jusqu'en bas, monter ça au seau sur la dalle, puis étaler tout ça. Comme d'hab, une vraie partie de plaisir. Surtout le monté de corde, on commence à apprécier. Ce serait presque une discipline olympique maintenant. Et on serait pas trop mal. Médaille de bronze. En attendant, on va s'occuper également de coffrer un petit peu la partie ici. Parce que finalement, la poutrelle, elle va venir se poser ici, là, sur le coin. Mais il y aura toute cette hauteur-là où il y aura un trou si on coffre pas. Donc il faut qu'on le fasse avant. Anticiper un peu avant que la poutrelle arrive. Il nous reste le moins de choses à faire une fois que la livraison arrivera. Et comme ça, on pourra attaquer directement notre petite coulante.
C'est pas ce qu'on croit. Niveau préparatif, ça prend un max de temps. Promis, on coule la prochaine fois. Sur ce, je vous fais une grosse bise et vous dis à tout bientôt.